Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment y est? Jeudi, nous allons parler de portefeuille client et portefeuille fournisseur. Qui ça, je vous l'ai dit exactement. Ou même qui est dans le domaine comptabilité ou c'est un comptable, il n'a pas parlé de portefeuille client ou déjà une idée. Et même de portefeuille fournisseur, généralement, ou toujours une idée de ça que nous voulons parler. Eh bien, vidéo ça, il va le baser sur ça. Avant que nous allions plus loin, qui t'aime présenter? Non pas M. Hippolyte Lucien, je suis un comptable spécialisé en comptabilité informatisée et ensuite, je suis un développeur. Ok, vidéo ça, Jean qui m'a dit au commencement, nous parlons de baser sous deux portefeuilles clients et portefeuilles fournisseurs. Qui Jean que nous parlons pour nous faire gestion de portefeuilles ça? Généralement, ou bien souvent, entreprises qu'on embauche moun ou des assistants comptables OK pour faire gestion de compte ça directement parce que c'est pas un travail qui facile non mes amis parce que pour gérer en imaginer une entreprise qui gère 5 à 6 000 clients un bon exemple comme ça oui il y a des entreprises qui gagne quantité de clients ça en imaginer des entreprises non seulement la gère quantité de clients ça et ensuite il y a des fournisseurs que il fait approvisionnement la caillou. Il y a une bonne quantité tout. Là, comptable pas faire tout travail ça pour col. Là, il y a besoin monde directement qui pour faire gestion ça pour yo. Et bien formation ça, nous pral bon là qui pral bon idée en formation que nous concevoir pour nous est nécessité qui gagner en tant que comptable professionnel que gagner monde qui besoin type de formation ça. Pour qu'on prépare d'avance les que bon poste en ce sens que yo capable et postuler et capable vraiment river maîtriser tout ça que yo demandé que pour ta fait généralement ou bien souvent même si yo pas ta utiliser QuickBooks mais tout type de transaction que nous pral montrer ou qui genre différents types de transactions passées, qui sa portefeuille client, qui sa portefeuille fournisseur, ça parle bon idée globale de travail là. Ok? Ça, généralement. Parce que, on voit que l'on cherche travail et qu'on a cherché et qu'on a un thème spécial utilisé pour le monde ça directement. Ok? Ok, il y a un thème spécial qu'on a utilisé parce que moun sa yo y a cherché yo c'est travail ça yo pral bon fait qui travail lié c'est pour faire recouvrement contre client pour faire gestion client qui t'achète à crédit client qui acheté au comptant pour faire rapport pour yo pour garder qui balance gain mais ça c'est mon petit travail de même pour finisseur là nous avons une entreprise qui fictif que nous créer pour nous pral faire un petit zoom là pour nous montrer où. OK, qui peut permettre ouais en gros qui ça portefeuille client, il l'a dit et qui ça portefeuille fournisseur, il l'a dit. En grosso modo, là n'a pas de portefeuille client, il résume tout ça où qu'on est transaction qui lié avec client. Achat. OK, achat au comptant, achat à crédit, achat à versement partiel, OK, gestion compte client, gestion de crédit, gestion de limite de crédit. Tout ça yo yo en dans portefeuille client de même pour portefeuille fournisseur yo OK de même pour portefeuille fournisseur qui dit fournisseur c'est des monde qui approvisionné entreprise là veut dire c'est des monde qui vendent entreprise là peut-être des articles qui acheté en gros et puis entreprise là revend à client elle dit ça tout c'est des comptes que qui gagne pile transaction sur yo que monde ça généralement toujours prend en moun ou bien yon assistant comptable et pour venir faire travail ça ou bien connait les moun ça parfois agent de recouvrement mais son terme technique agent de recouvrement pour plus la banque qui utilise mais en comptabilité a ou qui doit prendre comme agent de recouvrement mais fort gagner des connaissances très pointues sur QuickBooks parce que yon pas ka vinn faire travail là pour passer travail là en pile même bien de tout sous gagner connaissances sur travail sur faire format des comme tout parce que ce travail là pas facile pour l'aime dit pas facile là pas veut dire que ou pas gagner connaissances pour le non mais on a gagner travail là mais on imagine si entreprise ça a gérer
à peu près, bon, je vais mettre un cas extrême, j'ai à peu près 400-500 clients. Pour objet tout client ça. Et gain plus suit. Mon c'est toute transaction ça par jour. Bah caché d'où ça va dire si un peu plus d'activité même ou mêlé. OK? On va aller. Ça c'est une entreprise fictive que nous gagnons nous pour le moto et d'abord pour créer portefeuille client ou aller dans customer. C'est même gens à créer un client. OK? Nous pour le moto de toute transaction que nous gagnons par exemple dans customer ou pour que dans entreprise fictive ça nous t'étant gain un pile client qui crée déjà. A veut dire que c'est des clients qui fait un pile transaction avec moi que qui déjà là que me t'ai passé pour yo. Mais bon idée, m'a modifier un client pour là pour une bonne idée. De ça que nous a parlé. Parce que en soi, mais ça crée les portefeuilles client. C'est compte client en soi qui résume toute transaction, toute information de client. Qui ça que client ça acheté la caillou. Est-ce que client ça gon contrat la caillou? Est-ce que vous contrat li fait avec vous? Avec dit là information ça yo faut li tout nan plage client. Là me parler de plage client, ça so, va regarder là, a dit ouais, toute information ça yo doit insérer là. OK, un papa exemple info, ça c'est info pour client. Client c'est Kem Lighting Warehouse. Avec dit c'est nos clients et nos compagnies. OK, qui est comme ça et ça fait mettre la company name. Voilà, mes téléphones clients, mes adresses que de compagnie hein. OK, ça c'est l'adresse li gagné et voilà. Dans payment settings, on peut que toute information ça, l'on fait gestion portefeuille client faut ou gagne. C'est sûr que entreprise là les mêmes, les que client ça affaire avoir, c'est pas un client qui vient aujourd'hui qui va tourner demain. Du tout pas. Et ça fait l'offre gestion de portefeuille client. Généralement, c'est des entreprises peut-être de service ou bien des entreprises qui pour les stocks. A dit, client ça toujours fait acheter dans mon. Constamment. Il vient acheter dans mon en gros pour la revendre tout. Peut-être il vient acheter dans mon en détail, mais son client a dit qui toujours là, toujours fini, c'est mon client douteuse, qui est très important. Et ça fait information ça ou supposé gagner des clients. Pour qui raison pour ouais permet thème CN60 avait dit que là il y a des conditions que qu'il y ait sous client ça comment il veut changer mais qui met non lui condition ça voilà email client qui pas qui moins que client et payé voilà bon ça pas crédit limite. Ou la fok client sa tout ou gon crédit. Pour qui sa crédit limite nan ki sa lié? Crédit limite nan lié, li, ki sa lié, c'est là que si client sa, si li dépend de manager. Pour qui raison dit li dépend de manager? Parce que ou même en tant que assistant comptable, ou soit peut-être c'est ou comptable qui a géré ça, ou pas ka rete kon sa pour dire m'bay client sa, on limite de crédit. Non. Parce que c'est pas au café gestion pas au café gérer entreprise là il juste beau faire comptabilité entreprise ça veut dire que c'est manager après analyse li qui vous dit bon client ça li qui doit mandon un rapport sur client en fonction de rapport li ou bail sur client li même li pral dit bon client ça mais qui limite de crédit ka bali c'est bon client qui douteuse li pas dans ligne client li douteuse yo est-ce que ça me dit mais que des clients automatiquement ou pote le baou dit bon voilà dit mon ça mon cher limite de crédit mon ça pas acheter quand même mon ça au moins 2000 gouttes 3000 gouttes crédit on exemple ou même 1000 gouttes ou même 500 gouttes crédit so exemple mais que des monde qui viennent devant liste de clients ah j'ai fait mes maladies à Dieu mon cher ba mon ça pour 50000 gouttes crédit mon ça pas acheter 50000 gouttes plus que 50000 gouttes crédit au-delà de 50000 gouttes là il pas cacher plus c'est ça limite de crédit avait dit que li dépend de ou même et m'vle parler de manager qui pour baou information ça qui pour prendre décision ça pour bail crédit et m'te dit et client et crédit admettons que ou une entreprise que pas gain manager bon c'est au comptable c'est pour gérer ça et ben li va dépendre de analyse en fonction de est-ce que client ça toujours payé à l'heure oui est-ce que client ça régulier oui et ben voilà en fonction de calcul ou dit bon m'kabaye m'ka faire un petit limite de crédit. Et si moi, on peut par exemple, m'balon bagay, moi que li toujours vin paye, m'ka augmenton bagay sou li. Eh bien, c'est ça en gros limite de crédit. Ok, on nous parle de sel tax ceiling. Sel tax ceiling dans les mêmes, c'est des taxes côté que l'on vend client ça, en gros, que yon tout passe sous article que client ça.
OK? Et la passée, Work Tax Item, tout ça inclus là-dedans. Additional info, bon là, c'est si le client ça a gagné au site web, vous pouvez ajouter là. OK, customer type, OK? Oui, qui type de customer lié? OK, qui type de customer client ça est? Est-ce que customer ça c'est en fonction de qui service que ou bien ça client ça acheté dans mon nous pas loin qui ça lié. Donc pour nous faire des exercices qui lié en fonction de tout point ça net qui pour montrer en gros ça qui les gestion portefeuille client. On va aller ça nous tout là à peu près. Et ça me dépend client, je vais prendre deuxième, chaque client ou pas même, ou pas le peut-être guider des transformations qui fait dans client par rapport à l'autre, pour quelle raison? Parce que si ou pas même client, ou après, client ça a relé, top son live store. Ok? Ça sont clients qui sont différents, ok? Numéro de téléphone, adresse li, permet de Céline ça. Ok, bon, voilà, lui même li va gagner permet de Céline, lui va gagner les minutes de crédit tout. OK, ça lui même dépend de nous même si nous pour mettre information ça yo, nous pour faire des exercices pour yo. En gros, qui ça lié? Pour faire gestion portefeuille client, lié en gros de toute transaction que client gain avec ou la caillou. OK? Ou même moi gérer pour le peut-être client ça acheté à crédit dans mon. Peut-être client ça acheté à versement partiel. Qui ça m'attend par versement partiel? Client ça acheté pour un montant de 50,000 gouttes dans mon. Un billet de 40,000 gouttes, un billet dit ma PO avant le 15. Et bien, il faut qu'on qui j'en pour mettre avant le 15 là. Sous ça, pour l'effet que si 15 l'a passé, pour qu'il t'en pose en condition de crédit. On imagine que l'argent, c'est ça. L'argent, avec quelques secondes ou bien quelques jours, l'IPAC prend valeur. Bien souvent, le perdu. Si tout goutte là, bah, ben, chèdou, avait dit que faut toujours mettre tes restrictions ça. Barème ça yo qui pral permet tout les clients ça quand en face ou dit bon ou pas respecter ça et ben mais combien pourcentage va payer sous lui ça est très très important. On nous aller ça nous font un récapitulation pour vous pour faire client qu'on y a là nous pral parler pour fournisseur de même pour faire un portefeuille fournisseur c'est aller ou aller dans vendor voilà déjà un portefeuille qui monte même j'ai un client sur mon tout là m'a juste modifié une voilà c'est toute transaction que me gagne avec différents types de fournisseurs que me gagne la caille moi dans l'entreprise là que m'acheter peut-être à crédit dans meilleur pour revendre. OK, voilà, avait dit ça c'est un fournisseur qui est déjà là déjà en nous prend l'autre pour nos camoto qui gagne plus transaction on prend l'autre qui voilà on dit DGI bon DGI là bon c'est pas DGI Haïti non mes amis ça sur l'autre bagaille. OK. Bon voilà, on va faire transaction avec elle, on va garder moi. Bon qui est un OK, ça on va faire transaction avec elle. OK. Qui très important. De même pour forme et portefeuille fournisseur, c'est presque de même. Ça on va regarder bien, on va pouvoir deux et c'est presque ça qui paraît non un client. C'est presque plagieux, c'est même bagaille, OK? Une limite de crédit, billing rate level, tout ça yo, c'est des informations yo besoin ou besoin des fournisseurs que on fait avec là pour qu'a bien assurer que soit acheter bah dans mes fournisseurs à crédit pour faire gestion de bail de s'il doux, faut venir payer avant le 30, et ben faut ou assurer que tu fait chèque là avant le 30 pour voir le police, sinon ou payer intérêt de retard. Et ben là lui-même et ça fait que comptable pas faire jet ça pour col. C'est sûr après il y a des grandes entreprises qui des monde directement qui fait gestion portefeuille client et gestion portefeuille fournisseur pour col. Et des monde ça tout ha faut camper bien pour qu'à défendre pour soi parce que c'est des postes qui m'ont dit tête posée, faut tête la poser. Et voilà. L'information ça hein, Jean que nous gagne pour tout là. Nous gagne pour nous tout mais toutes transactions que nous gagne pour nous passer avec ou si tout l'un parle pas les deux et ça c'est pour fournisseur. Voici une liste de transactions possibles que vous pourriez rencontrer lors de la gestion de portefeuille fournisseur avec QuickBooks Desktop ou tout autre logiciel de comptabilité similaire. Prenons par exemple là que dans gestion portefeuille fournisseur là en fond si zoom facture d'achat
par enregistrement des factures sur des fournisseurs pour les biens ou les services enregistrés. Nous avons tout qui ont enregistré ça. Paiement aux fournisseurs. Enregistrement des paiements effectués aux fournisseurs en lien avec les factures d'achat. Avoir et retour. Nous avons tout qui ont fait enregistrement des avoirs pour les produits aux fournisseurs. Réconciliation des avoirs avec les factures d'achat correspondantes. Rappel de paiement qui est très très important. Pour qui raison est-il très important? Parce que les codes fournisseurs oublié ça au début de l'idée de l'LD bon ou pas le payer carrément ça entreprise pas le payer le cher parce que ou pas le payer intérêt de retard sous lit. Réconciliation des relevés fournisseurs, gestion de paiement des dettes, gestion des fournisseurs enregistrés, gestion des limites de crédit, rapport de dépenses par fournisseur. Gestion des relations fournisseurs, gestion des contrats d'approvisionnement, évaluation des performances fournisseurs, gestion des notes et commentaires, gestion de remise et réduction, ainsi de suite, facture, tout ça, nous avons pour nous avoir une formation ça. Bon, là, nous avons tombé dans le client, voilà, il faut nous faire très attention. On regarde si c'est pas un client tombé, rappel de paiement. Ah non, ça c'est pour achat. Ok, ça c'est pour achat, voilà. Ok, ça c'est pas fournisseur là. Voilà, qu'on a nous arrivé là, n'a pas portefeuille client, mais toutes les actions que nous avons dans la série formation ça, que qui est disponible sous plateforme, non, que ou même ou qu'a fait acquisition de lui. Voilà, voici une liste des transactions possibles que vous pourriez rencontrer lors de la gestion de portefeuille client avec Opus Desktop. Là, on a un dirigeant au fonds facture. Devis, commande de vente, paiement, enregistrement, avoir remboursement, note de crédit, rappel de paiement, compte client, envoi et relevé, virement entre clients, okay, regroupement des factures, opération de vente de gros, gestion de vente de gros, gestion des soldes des clients, gestion des transactions non composées, affectation des dépôts, gestion de vente par client, gestion des données clients, ainsi de suite. Tout ça, yo, nous gen pou nou avec vous dans la formation. Ça, c'est une formation qui est ouverte et à tout le monde, même si que peut-être vous n'êtes pas comptable, mais n'a pas demandé quand même au minimum, faut au moins ou te suivre, si nous avons dit, comptable PC1 et PC2. Pour qui raison? Parce que login. Et ou suivre pour ça, li pral facilite ou, pour qui ça ou a facilite ou comprendre ça n'a faire. Ok? Pour qui ça facilite ou. Mais, peut-être que vous n'avez pas de chance de suivre pour ça ou, mais ou travaille déjà dans le domaine ça. Ça veut dire que ou déjà gen ou acquis, ou gen gen ou acquis pour ça. Alors, vous avez une idée. Alors, dit là, le même, ou ka toujours prendre formation ça qui est déjà disponible, ou il est 37 78 11 06 ou bien millenanui.commercial@gmail.com. Pour plus d'informations qui peuvent permettre tout, joignez bon gens connaissances pour faire la gestion des comptes clients et la gestion des comptes fournisseurs. C'est des formations qui sont rares et puis qui pas forcément faites très souvent. C'est la première fois que je fais formation parce que je trouve la nécessité de gens à appel que m'a joindre monde qui a travaillé des entreprises qui par contre qui j'ai pour gérer un portefeuille client qui par contre qui j'ai pour gérer un portefeuille fournisseur doit nécessité que pour me préparer en formation sur ça et voilà nous prenons le moto qui j'ai ça fait après que une entreprise fictive que m'ai créé qui ça me fait si que n'a généré des rapports on peut des exemples. Des exemples rapports en fonction parce que les que on fait gestion ça yo. Il y a des rapports spécifiques par le monde, il faut qu'on ait pour faire. Un par exemple, et Customer Receivables, là que c'est des rapports sous clients, et qui doit former un comparaison, rapport de comparaison, en summary, elle dit combien de clients là qui doivent. Ou bien, bon détail sur client. Est-ce que ça me donne là? Un par exemple, si on allait dans Customer Receivables, on allait dans Customer Balance Detail. Là, il parle ban mon un rapport global de chaque client que me gagne en dans portefeuille client là qui ça qui est-ce qui doit mais qui balance sur gagne mais qui est-ce qui fin payer tout ça. OK, ouais la bonne idée. OK? Ça c'est en nous aller là, ça c'est all,
si que nous t'apprenons en fonction de jour, de mois ou bien en week-end là, pour qu'à gon idée parce que très souvent il parle mal de ça, c'est en fonction de ça peut-être comptable et en chef là parle prendre des décisions ou bien manager là parle prendre des décisions pour dire bon ok si un tel beaucoup payé, un tel beaucoup payé, bon mais ça ne souhaite faire, mais ça ne souhaite faire, etc. Voilà, avec dit voilà ces façons ça yo, nous parlons tout tout qui génère des l'autre type de rapport. Allez, c'est rapport sous vente qui fait yo. OK, si on me donne un rapport sous vente en détail, OK, ou bien par summary sale by rep details ou bien pending sales, ça qui est très important, ça pending sales qui s'allie avec dit c'est des ventes en suspense qui est très important. Bon, malheureusement, en pays nous même qui était l'école pas de gain temps, professeur a pas vraiment gain temps ou bien vous ça pas de comprendre tout bail ça. Faut dire ça tout et pas tout monde qui fait QuickBooks pour qui te maîtriser logiciel là en entier. Bon, oui, il faut nous dire ça. Avle dit que bien souvent tout professeur pas de gain temps pour découvrir tout bail ça. Ou qui doit faire mon tout qui pour faire rapport des et des dit en suspense. Pour qui ça des rapports en suspense parce que des factures ou pour passer en suspense. Ça crée les factures en suspense. En imaginant, pour un contexte bien simple, un monde vient acheter dans mon, un monde en client, il vient faire un facture là car automatiquement vient faire facture là, mais les gon contrariété quelconque avait dit que il pas finalisé. Il dit m'a tourné. Pendant journée, il dit l'a tourné. Et bien facture ça ou pas qu'à non seulement effacer le dit lui, ou pas non seulement comptabiliser. Mais qui savait ou mettre en suspense avec des factures ça les pending avec des factures ça li pas dit et ensuite li pas entrer dans système comptable avec dit li pas et en époque fait qu'on a les monde ça tourner ou juste tourner sur facture là ou réactiver encore. Mais c'est ça nous voulons parler avec dit ça très 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 important parce que ou qui doit arriver dans des situations où obligé c'est ça faire parce que en imaginer monde ça fin faut faire toute bagarre ça tout tactique ça et ensuite pour recommencer refaire même pas la rouler encore parce que monde du l'a tourner obligé refaire là dit ouais travail là trop avec dit là nous montre toute astuce ça yo là-dedans OK qui permet tout leur travail ou travail en tant que professionnel ou pas travail n'importe qui gens voilà dépousser étudiant monsieur Hippolyte Lucien c'est bon gens pour vous bon gens pour poser des bureaux leur travail pour pas n'importe qui vendre tel rapport tip rapport à bail en nous aller nous pour par exemple il doit mandou un rapport sur acquisition qui t'est faite dans mes fournisseurs et leur pêche ça avait dit là ou obligé là c'est là pour aller chercher rapport ça très très important. Il doit demander un rapport sur ça. Pendant ce moment là qui s'en d'acheter là dans mes fournisseurs. Ah, faut qu'a bon rapport. Ouais, il doit demander les en détail. OK, faut qu'a bon rapport, mais rapport à la c'est. Vous comprenez? En fonction de jour ou bien all ou bien si c'est jeudi, je te fais acquisition. Et ben c'est là pour chercher rapport ça pour bail. Ouais, mais toute information là, toute bagarre là net. Toute bagarre là net information toute là mais faut qu'on que j'ai pour chercher sur QuickBooks. Et mais nous pas faire vidéo à trop long sans si on idée nous baou de formation qu'après nous. Et ben sou ta reme suivre une formation sur la gestion portefeuille client et fournisseur contactez nous 37 78 11 06 et gien un link en bas vidéo ça n'a quitté pou capable inscrire là-dedans automatiquement inscrit c'est sur un email qu'app vienne joindre pour dire que mais qui gens formation à préparer mais combien mon temps que lié et après formation ça c'est sûr que n'app certifié bon examen à bord et puis n'est certifié quel que soit côté au travail la marche bon garantie travailler à bord faire pour pas faire ça impossible. Ça c'est vraiment impossible parce que nous déjà dans domaine nous déjà travaillons sur marché nous connait qui ça a besoin nous connait qui ça a chercher et ben nous-mêmes nous tout baoule l'information. Voilà, c'était Hippolyte Lucien, de compte avec vous. Ciao. Pas oublier abonner, pas oublier partager formation hein? Et puis pas oublier parler avec collègues et pas oublier tout encourager travail que n'a fait dans communauté. I love you.